Allez les amis, on est parti. Match face à l'Italie. Les matchs retour. Coutinho est fatigué, on va faire quelques petits changements. On va mettre Rhesus. On va mettre Fabinho à la place de Casimiro. Et notre petite glace Costa à la place de Neymar. Allez, on est parti les amis, let's go! Allez, c'est parti. Faut gagner. Allez, Philippe Luis. Philippe Luis, il est passé. Ouh, il récupère Philippe Luis pour Williams. Gabriel Jesus qui récupère. Allez, on a vu partir Douglas Costa côté gauche. Allez, la frappe. Ouh, c'est un corner encore une fois. Là, ou le centre. Allez, la frappe complètement ratée de Gabriel Jesus. 5 étoiles de mauvais pied, de geste technique. Pour Fabinho, la frappe. Oh, la para du gardien encore. Sur ce score de 0 à 0. Enfin, mais il faut qu'ils arrêtent avec leur tout droit. Et voilà, donc 0-0 à la mi-temps. Très beau match. La Côte d'Ivoire qui perd face à la France 2 buts à 0. Allez, on est parti pour cette seconde période. Prends la frappe. Ouais, la vitesse de Douglas. Voilà, l'erreur aussi. Et voilà. On le paye cash. Zaza qui marque. La vieille passe dégueulasse de Douglas Costa. Voilà. Centre en rater et Simone Zaza qui marque. Allez, il faut revenir maintenant. Oh, le poteau! Allez, hein. Boum! La voici l'égalisation. Ah, c'est magnifiquement joué. On a attendu le petit décalage. Et Gabriel Jesus. Voilà, regardez, la frappe du gauche. D'ailleurs, il a fait de la merde et la grosse frappe. Et là, ça rentre. Ouais, c'est son premier but aussi à Gabriel Jesus. Et on va faire quelques petits changements. Je le trouve un peu juste, Luis Gustavo. On va faire ça. Coutinho, on va sortir à la place de Firmino. On va mettre Jesus en pointe. Et Hulk, on le voit pas du match. On va mettre Williams, on le voit pas du match plutôt. On va mettre Hulk à sa place. Il faut aller chercher la victoire. Ah, le script à la con encore, on va prendre une tête. Ça passe au-dessus, heureusement. Match nul, un partout face à l'Italie. Du grand n'importe quoi. Ah, l'autre, il est à 1 mètre, on lui fait une passe, il fait une passe dans le dos. Moi, je vais vous montrer le résumé tout de suite. Regardez le nombre d'arrêts de Marchetti. Là, on résiste. Voilà, frappe, contrée. 21e, Marchetti encore. On décale parfaitement. Le manqué de Jesus. Voilà, là il est tout seul, il dévisse complètement pied gauche. Et l'occasion d'après, il va la mettre en pleine lucarne.
Ah, celle-là, pareil, ça doit rentrer. L'arrêt encore une nouvelle fois de Marchetti. Cette frappe de Fabinho. Le poteau de Fabinho. Ça frappe à bord. Le manqué de Firmino. Et voilà. Regardez la vieille passe qu'il nous fait. Voilà, le centre. Il reprend pris poteau. David Luiz, voilà. Qui frappe encore le montant. Enfin, on égalise avec Gabriel Jesus. La grosse frappe, et là, ça rentre. Tout à l'heure, il dévisse. Et le manqué de Mota. Donc voilà. 4 tirs à un seul cadré, leur seul but. Regardez, regardez les stats. 13 tirs, 6 cadrés. 51 possessions, 49. C'est n'importe quoi. Et la France qui s'est imposée donc 3-0 face à la Côte d'Ivoire. Le prochain match, ça sera donc face à l'équipe de France. Allez, on est parti. On a 10 points, ils en ont 7. Bon, on a encore pas mal d'avance. Voilà, l'équipe est en forme. On va mettre notre petit Fabinho à la place de Gustavo. Et on va mettre Marquinhos à la place de Miranda. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Faut battre l'équipe de France. On va se faire rattraper. Allez, c'est parti. Tellement vite là avec l'équipe de France. Pour le tac, il est beau. Williams. Oh, il est hors jeu. Oh, je pensais qu'il n'est pas hors jeu. Je pensais qu'il n'y était pas. On avait fait la diff là en plus sur le contrôle. La super Williams. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Et le but. C'est Signou Coutinho, il me semble. Et oui, c'est bien lui. Pas Neymar, là, scoop and turn. Hop, on remet dans l'axe. Et la frappe de Philippe Coutinho pour ouvrir le score face à l'équipe de France. Là, c'est magnifique quand ça joue comme ça. Quatrième but pour lui dans cette compète. Et Neymar, ou la parade. Allez. Personne n'aura atteint Neymar. Philippe Coutinho, l'enveloppe. Le poteau, la reprise de Williams, c'est ça rentre. Oh, on a tenté quand même. C'était pas facile à reprendre ce ballon. Regardez le décalage. Ah, l'enveloppe est magnifique. Tape la barre, regardez, ça reprend en demi-volée. Elle est somptueuse celui-là. La demi-volée de Williams. Et Lloris qui n'a pas eu le temps de revenir. 2-0. Oh, la tête de du défenseur, bien joué. Deux tirs de cadré pour Williams. Et le troisième but, le voici. Et cette fois-ci, c'est Marquinhos qui marque. La suite d'un magnifique corner collectif.
Voilà, on se retourne, on décale. C'est Firmino qui décale Marquinhos. Allez, c'est au fond, 3 buts à 0 juste avant la mi-temps. Dani Alves, il est surpuissant. Et c'est donc la mi-temps sur ce score de 3 buts à 0. On domine notre sujet. L'Italie qui bat la Côte d'Ivoire 2 buts à 0 pour l'instant. Allez, nous on est parti pour cette seconde période. Ouh, elle est belle. Ouh, et le 4. Cette frappe de Firmino. Non, de Casimiro. Qu'est-ce qu'il fout là? On sait pas pourquoi il s'est retrouvé là. Voilà. Il a protégé son ballon. Il a réussi. Regardez, entre les jambes d'une Titi. Et ça passe à ras du poteau. Et ça fait 4. Voilà, c'est une Titi qui marque contre son camp. Juste accorder un petit i. Bon, attention, magnifique passe pour Lucas Digne. Voilà, mais Digne, c'est trop lent par rapport à Williams. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien. Oh, ça passe. Oh, ça passe et ça fait 5. 5 pour le Brésil. Et cette fois-ci, c'est signé Fabinho. Ah, du très bon football là. Ah, le 1-2 avec William, la remontée de balle. Voilà, on décale, ça passe. Petit contrôle et la petite frappe juste avant le plongeon du Golioris. Ça passe en dessous. Voilà, il en est à son premier but en compète, Fabinho. Voilà, il fallait le gagner ce match-là, mais on déroule. Allez, ça dégage. Et c'est terminé. Victoire, grosse victoire face à l'équipe de France. 5 buts à 0. Et donc, la qualif est là. On n'aura même pas besoin de jouer le dernier match. Donc le petit but invalidé de Williams. Ah oh, ouais, là il a avancé, il est revenu après mais trop tard. Je pensais que j'allais couvrir. Oh, il y a de la marche quand même. Le but à la 8ème de Coutinho. Scoop and turn de Neymar. On décale, point de péno. Coutinho qui ouvre le score. Le deuxième but signé Williams. Voilà, on décale encore une fois l'enveloppé. Ça tape la barre et demi-volé de Williams pour le deuxième. Encore le petit geste technique de Firmino. Le troisième but signé Marquinhos sur ce corner. Voilà, Firmino qui patiente. On redonne à Marquinhos qui frappe aussitôt. 3-0 à la mi-temps. Un arrêt du Golioris. Voilà, on décale Neymar. L'extérieur, bien repoussé. Hugo Lloris encore. Cette frappe de Coutinho, elle n'était pas facile. Elle était à ras de terre, celle-là. Le manqué de Sissoko. Voilà, qui dévisse complètement. Frappe du gauche. Ça passe largement au-dessus. Le but contre son camp d'Umtiti, sur cette frappe de Casimiro, voilà, on patiente, se retourne. Voilà, elle a accordé Umtiti, mais je crois pas que ça fait grand chose. Ça passe entre ses jambes, ça change pas la trajectoire.
Et le but de Fabinho. Voilà. Passe au point de péno. Ça passe encore une fois. Le petit contrôle, la frappe enchaînée. Pour le cinquième. Donc voilà les amis, regardez les stats. Un seul tir, zéro cadré pour l'équipe de France. 53 de possession en 47. 10 tirs, 7 cadrés pour nous. Match complet. Ça fait plaisir. Donc l'Italie a battu la Côte d'Ivoire 3-0. On va aller voir au classement si ça change quelque chose pour l'équipe de France. Si elle a perdu son avance. Elle a 5 points pour l'Italie, 7 pour l'équipe de France. Le dernier match, France-Italie. Le gagnant des deux, à moins qu'un match nul sauverait la France, mais en cas de victoire de l'Italie, repasserait devant. Et on va aller affronter la Côte d'Ivoire. On va jouer en bleu. Eux vont jouer en orange. Allez, on va faire des changements pour ce dernier match. Jesus va rentrer. Hulk à la place de Williams. Douglas Costa. On va mettre du... On va mettre Lucas à la place de Hulk. On va mettre du Fernandinho à la place de Casimiro. On va mettre un Jonas sur le banc. On va mettre Danilo à la place de Dani Alves. Et on va partir comme ça les amis. Let's go! Allez, le match retour face à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est éliminée. C'est parti. Oh, c'est passé pour Douglas. C'est l'ouverture du score dès la troisième minute de jeu. Oh là 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 là. Oh, le décalage, il est parfait, regardez. Hop, on l'emmène. Et la frappe croisée pour ouvrir le score. Et son premier but de la compétition à Douglas Costa. Dès la troisième minute de jeu. Ça commence fort. Philippe et Luis. Douglas. On a vu Gabriel Jesus. Oh, il tire à côté. Et Douglas. La frappe. Oh, il tire encore à côté, mais c'est pas possible. Cette fois-ci, c'est Coutinho qui rate. Et voilà. L'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score. Donc l'Italie bat la France. Ouh là là, attention. L'Italie bat la France 1-0. Donc nous on mène donc face à la Côte d'Ivoire 1-0 également. Du changement. Yaya Touré va remplacer Diamandé. Et on est parti pour cette seconde période. La frappe et le but. Jay qui s'est bien blessé. Et la grosse frappe. Pour doubler la mise, c'est signé Gabriel Jesus. Magnifique, on temporise. On patiente, on remet. Il est tout seul au centre. Grosse frappe, pleine lucarne. Donc 2-0. Allez, on récupère déjà. Il faut que la France de son côté essaye d'arracher le match nul face à l'Italie. Contrer. Allez, on va faire des changements. On va mettre Jonas à la place de Coutinho. On va inverser Jesus et Jonas. Et on va faire rentrer notre petit Fabinho à la place de Fernandinho.
Pas terrible. Douglas Costa, deux tirs, deux cadrés. Allez, 5 contre 1 corner. C'est contré. La frappe ou la claquette du gardien. Voilà qui est fait. Les poules sont passées. Victoire 2 buts à 0. On va voir l'équipe de France ce que ça a donné. D'abord les moments forts. L'ouverture de Douglas Costa, la troisième. Le défenseur s'est trouvé complètement. On la frappe croisée. Le manqué de Jesus. Alors, le décalage est bon. Ouais, la frappe par contre complètement ratée. Le petit geste technique de Jesus. Ah là, celui-là s'il passait, ça faisait mal. Le manqué de Coutinho. Le décalage, contrôle la frappe, enchaîné. Ça rase le montant. Bon, il va pas nous mettre tous les scouts and turn que j'ai fait dans le milieu du match. Voilà, ça passe à chaque fois. Souvent, ça passe le geste technique avec l'ordinateur. Fernandinho. Voilà, regardez. Je pensais qu'il allait nous faire une belle, plus belle frappe que ça. Ça passe à 4 mètres au-dessus. Le deuxième but de Gabriel Jesus. Voilà. Grosse frappe. Cette fois-ci, ça part dans la lucarne. L'arrêt du gardien de Cissé. Belle claquette. Il est sauvé d'un troisième but. Et le manqué de Luis Gustavo à la fin. Voilà, on décale. Frappe enchaînée, mais ça passe largement au-dessus. Et donc voilà les amis. Ils ont pas tiré une seule fois de match, c'est dur pour eux. On a la possession 59 à 41, 16 tirs, 8 cadrés pour nous. Et donc voilà, on est qualifié. Et la France a arraché le match nul face à l'Italie. Et elle est donc qualifiée aussi. Donc la Côte d'Ivoire et l'Italie sont éliminées. Ouh, les quarts de finale, ça se fera face au Brésil, à l'Argentine. On va aller voir qui c'est qui reste en lice. La France affrontera l'Angleterre. Le Portugal affrontera la Belgique. Nous, donc, on affrontera l'Argentine. Et l'Allemagne affrontera les Pays-Bas. Au niveau des meilleurs buteurs, le meilleur buteur, Ronaldo, avec 4 buts, égalité avec Williams et Coutinho, 4 buts également. Et l'Allemand, Sané, qui est donc à 4 buts aussi. Allez, on va aller préparer notre équipe. Ah, Coutinho, c'est fatigué tout ça. Voilà, tous les joueurs sont fatigués. On va mettre Hulk à la place de Coutinho. On va remettre Fabinho à la place de Luis Gustavo. Allez, on mettra Fernandinho pour le reposer. Miranda, on va sortir, on va mettre Marquinhos. On va avancer jusqu'au prochain match, donc quart de finale face à l'Argentine. Est-ce que l'équipe est en reposée? Ah, on va mettre. On va remettre Coutinho. Miranda s'est reposé. On refera des changements. Et Luis Gustavo à la place de Fabinho. On va laisser Fabinho. Voilà, on partira comme ça, les amis. En espérant aller gagner ce titre. Donc on fera le quart de finale, la demi
Et donc si on gagne, on fera la finale. Donc il restera une vidéo après ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et des commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!